Eh bien salut tout le monde, ici Focoff, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière qu'on va faire quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vous explique d'abord comme ça en IRL, et ensuite on va passer sur mon ordinateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va acheter ensemble, en même temps, en live, sur un site internet, une clé Steam de 2€. Donc nous, on va payer la clé 2€, mais en fait, elle débloque sur Steam un jeu aléatoire, dont je ne sais pas ce que c'est, un jeu d'une valeur de 10€. Ou plus, donc on peut très bien tomber sur un jeu genre Far Cry 4, Far Cry 3, les derniers Assassin's Creed, Black Ops 3, vraiment plein de bons jeux. On peut aussi tomber sur des gros navets. J'ai essayé une fois et je suis tombé sur un jeu de cuistot des plages d'Afrique du Nord, vraiment un truc bizarre. Mais voilà, donc je vous explique. Dans cette vidéo, on va acheter le jeu et ensuite je ferai une autre vidéo un prochain jour où on va tester le jeu ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite sur le PC. Et bien voilà, nous sommes maintenant sur l'ordinateur et nous sommes sur le site YouPass. C'est un site où on peut créditer notre crédit téléphone sur le site en appelant et en faisant des codes. Et avec l'argent de notre crédit, en gros, on peut acheter des choses sur Internet. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses, que ce soit Netflix, que ce soit la carte qu'on va acheter, des points FIFA, des abonnements PSN, enfin, peu importe. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la clé Steam. Vous voyez, on peut avoir plein de jeux comme Fallout, comme GTA V, comme Skyrim, plein de choses. Alors, donc, là, voici la petite carte. On va cliquer dessus. Donc vous voyez, moi j'ai 16€ et quelques sur le site. Ensuite, on nous demande 2€, 1,99€ pour être précis. On peut acheter plein d'autres trucs, hein. Il y a des clés. Donc voilà, là c'est le petit truc, c'est qu'on peut acheter des clés classiques, aléatoires classiques. Donc on aura des jeux à tous les prix, donc des fois on peut vraiment tomber sur de la merde, à des jeux à 35 centimes qui sont vraiment pérave, mais nul à chier. Or, nous, on achète une clé premium, donc ça veut dire que le jeu sera d'une valeur de 10€ ou plus. Donc, dans tous les cas, on fait une économie de 8€ à coup sûr. Allez, on va l'acheter. Alors, comment on fait, là? Choisissez votre méthode de paiement. Alors, moi, je vais payer avec mon U-Wallet. Payer avec U-Wallet. Paiement. Oui. Ça charge. Si vous voulez le faire, n'hésitez vraiment pas. Alors, mon code aléatoire Steam est celui-là. Donc, on va le copier. On va se rendre sur Steam. Voilà. On va aller dans la bibliothèque. Donc là, c'est tous mes jeux Steam et c'est celui-là, le dernier jeu que j'ai eu. Il coûte environ 16€. Donc, j'ai quand même fait une belle économie puisque moi, je l'ai acheté 2€. Mais voilà, on l'a finalement aléatoirement et c'est ça que je trouve vraiment marrant. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Wow, qu'est-ce qui se passe? Ajouter un jeu, activer un produit sur Steam, suivant. Je suis d'accord. Clé du produit. Je colle. Et là, c'est le moment de suspense. Attention. Suivant. 3D mini golf. Bon bah voilà les gens, vous voyez, j'ai obtenu ce jeu là, 3D mini golf, terminé. Ok, donc j'espère que c'est bon, ça va, c'est assez sympathique, honnêtement, il y a pire, il y a bien pire, mais il y a bien mieux. Honnêtement, vous me mettez un Far Cry ou je ne sais quoi, je suis plus heureux. Bon, ce que j'aime bien faire moi c'est, voilà, 3D mini golf, on va dans le magasin, c'est se renseigner sur le prix du jeu qu'on a eu. Donc c'était 3D mini merde, mini golf. Oh, je me suis fait escroquer. Est-ce que c'est celui-ci? Je crois que c'est celui-ci. Bon, bah voilà, par exemple là, il coûte 9,99€. Je l'ai payé à 2€ personnellement. Donc bon, dans tous les cas, je fais des économies, hein. Mais il y a mieux. Clairement, il y a mieux. Bon bah voilà, on a eu un petit jeu de golf. On testera ça dans une autre vidéo, vous en faites pas.
et on fera sûrement d'autres déballages de clés Steam. Pourquoi pas en faire gagner? Pourquoi pas vous en faire gagner? J'y réfléchis. Mais ça peut être quelque chose de plutôt pas mal qui peut me rapprocher de mes abonnés. On va voir. Voilà les gens. On a fait ce petit pack opening de clés aléatoires premium Steam. C'est assez marrant, franchement, moi j'aime bien. Et je trouve ça assez sympathique. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va tester 3D mini golf et on va voir ce que le jeu a dans le ventre. J'ai peur. J'aurais pu avoir mieux. Je le sais. Enfin bref, je suis vraiment pas chanceux. Voilà, sur ce, pensez à laisser un commentaire si vous aimez ou non, ou si vous avez des infos à me faire savoir, s'il y a mieux, s'il y a... Ce que vous avez eu, par exemple, si vous avez reproduit la clé Steam. Et voilà, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut !